Allez les amis, comment on se retrouve sous cette nouvelle vidéo de Splinter Cell Tomorrow Pandora sur PS2. Voilà, c'est le deuxième opus. C'est parti, on charge les parties. Allez, on est parti pour le troisième niveau, donc qui est encore à Paris, mais là à Nice. Cette fois. Occidentaux ont appris que Souadi Sadonov, leader du Darat al-Doha, était présent lors de la prise d'otage du 28 mars à l'ambassade américaine du Timor oriental. Les recherches menées par Abrahim Zerkezi pour décoder les programmes développés pendant la crise de l'information en Géorgie ont été saluées à l'ONU par affrontement sporadique avec le groupuscule Darat al-Doha le long de la frontière avec le Timor oriental. Aucune perte américaine. On comprend pas trop bien les infos, moi. Qu'en pensez-vous? Le monde est cruel, sans pitié, et on y meurt dans l'indifférence. Que pensez-vous de Norman Sauce? Il est cruel et sans pitié, mais lui ne va pas mourir dans l'indifférence. Je crois que même Sauce ne sait pas pour qui il travaille. Je n'accorde pas ma confiance à n'importe qui. Je sais, c'est pour ça que vous me faites confiance. C'est bon les mêmes. Tu me dis pas que je vais devoir passer sous le rail du train. Enfin, sous le train quoi. C'est parti pour une heure et demie de vidéo. Vous êtes en position à ce que je vois. SOS reste votre seul et unique objectif. Ok, so. Super. Comme d'habitude. Ah oh, d'accord, je peux le faire. Ah mais j'aurais dû regarder là. L'un n'empêche pas l'autre. Très drôle. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous devons le traiter convenablement. Alors ne faites pas sauter cette couverture. En cas d'alerte, la mission est terminée. Si Sos vous voit le premier, la mission est terminée. Ne tentez rien qui pourrait le compromettre. J'en déduis que je ne dois pas le tuer. Oui, laissez-lui la vie sauve si vous voulez bien. Les détails sur votre route. Oh,
plaît. Ils savent que vous êtes là. Mission terminée. Vous évacuez. Non, allez, genre. En fait, dès que le chien est à bois, faut que je me cache, quoi. Vous êtes en position à ce que je vois. SOS reste votre seul objectif. Vous devez le rencontrer. L'agence ne manque pas de renseignements sur lui, mais ce type est un vrai mystère. Personne ne sait s'il travaille pour le camp des États-Unis ou s'il s'agit d'un vulgaire terroriste. L'un n'empêche pas l'autre. Très drôle. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous devons le traiter convenablement. Alors ne faites pas sauter cette couverture. On a de la visite. Notre couverture a sauté. On descend du train maintenant. Ils savent que vous êtes là. Mission terminée. Ils vont être sérieux. Non mais c'est... Comment tu veux que j'avance ? Faut pas que le chien la voit. Ah, il y a un câble. Ah, ouais, d'accord, c'est bien ça, quoi. Ah, si je peux le péter, ça. Ah, si. Je vais être obligé de passer par là. Hein. Thank you.
truc alors. Checkpoint. Super. 10 minutes pour aller là. Quoi. Après, c'est vrai que si qu'on est bien niveau par cœur, ça peut aller vite au niveau. Hein. Ça se corse. J'ai trouvé les cartes de crédit que notre ami Paul Dexter, SOS si vous préférez, a utilisées pour payer ses billets. Et alors, où est le problème? Il a réservé 2 places en seconde. J'en déduis que tu devras faire face à 2 terroristes cachés parmi les civils. Mais là, vous êtes dans un espace très réduit. Ne prenez pas trop de risques. La situation pourrait devenir incontrôlable. Tu prends quelque chose, toi ? Pas dû passer par là. Ouais, parce que là je peux pas éteindre les lumières et tout. Je dois bouger. Oh là là. Et ben j'ai toi en train on va sortir. Pa-pa-pa-la. Là je suis très malheureux.
voir, je vais attendre. Papa, le frère de Samira, la garde Orthez, Pau, Dax, Tarn, Lourdes, ouais. Checkpoint. Super. Les collaborateurs de Brunton ont fait une découverte. La jambe droite de Sos est encore plus bionique que celle de Steve Austin. Apparemment, il a eu un petit désagrément avec l'ennemi personnel. J'imagine que ça se voit aux infrarouges. Bien vu. Monsieur, c'est vous qui avez demandé des boules gaz? Ah oui. Désolé, je n'en ai pas trouvé. Voiture. Si vos voisins recommencent à crier, appelez-moi. J'irai leur rendre une petite visite. C'est très aimable. Je suis vraiment désolé. Comment c'est arrivé? Faut que je l'élimine, c'est pas possible. Les collaborateurs de Brunton ont fait une découverte. La jambe droite de Sos est encore plus bionique que celle de Steve Austin. Apparemment, il a eu un petit désagrément avec une mine personnelle. J'imagine que ça se voit aux infrarouges. Bien vu. Comment c'est arrivé? Mon Dieu! Voilà. On attrape au moins. J'ai de la chance. On a de la visite. Notre couverture a sauté. On descend du train maintenant. Ils savent que vous êtes là. Mission terminée. Vous évacuez. Ah putain. Ah mais c'était à tenter quoi. C'est lui aussi pourquoi le mec il bouge pas. Les collaborateurs de Brunton ont fait une découverte. La jambe droite de Sos est encore plus bionique que celle de Steve Austin.
Apparemment, il a eu un petit désagrément avec une mine personnelle. J'imagine que ça se voit aux infrarouges. Bien vu. Monsieur, c'est vous qui avez demandé des boules gaz? Ah oui. Désolé, je n'en ai pas trouvé. Si vos voisins recommencent à crier, appelez-moi. J'irai leur rendre une petite visite. C'est très aimable. Je suis vraiment désolé. J'assomme, il parle encore. Comment c'est arrivé? Mais genre... Notre couverture a sauté. On descend du train maintenant. Ils savent que vous êtes là. Mission terminée. Oh putain. Ah non, mais là c'est la merde, c'est vraiment la merde là. Les collaborateurs de Brunton ont fait une découverte. La jambe droite de Sos est encore plus bionique que celle de Steve Austin. Apparemment, il a eu un petit désagrément avec une mine personnelle. J'imagine que ça se voit aux infrarouges. Bien vu. Monsieur? C'est vous qui avez demandé des boules gaz? Ah oui. Désolé, je n'en ai pas trouvé. Si vos voisins recommencent à crier, appelez-moi. J'irai leur rendre une petite visite. C'est très aimable. Je suis vraiment désolé. Non, on va se mettre là. J'ai essayé un truc. Que voulez-vous? Ne me faites pas de mal. Ouf, c'est bon. Tout ce qu'on allait faire, hein. Comment c'est arrivé? C'est sûrement le train. Bon, on sait que le deuxième... On sait que le deuxième mec, ben... C'est pas... Ben, peut-être qu'il y a qui peut nous apporter une information, je sais pas. Mais... Merde.
Wagon 18. Les belles anges. La mission. Oh. Bon, on va falloir trouver une autre solution. Putain, le temps que ça me fait perdre. Ah, je suis à vous. Je comprends pas. Les collaborateurs de Brunton ont fait une découverte. La jambe droite de Sos est encore plus bionique que celle de Steve Austin. Apparemment, il a eu un petit désagrément avec une mine personnelle. J'imagine que ça se voit aux infrarouges. Bien vu. Monsieur, c'est vous qui avez demandé des boules gaz? Ah oui. Désolé, je n'en ai pas trouvé. Si vos voisins recommencent à crier, appelez-moi. J'irai leur rendre une petite visite. C'est très aimable.